Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, je viens de faire une run. Je veux juste vous montrer un truc. J'avais pas capté, il y a un mode facile. Du coup, je viens de faire une run, on s'est cassé les dents sur l'avant-dernier boss, ça m'a saoulé. Donc on va se refaire une run en mode facile. Je pense pas que ça soit très très long. Genre qu'on a un peu up et tous nos stats, on a récupéré de l'ambre, on a fait des trucs. Pardon, excusez-moi. J'ai pas le temps. Après, je sais pas ce que change le mode facile. J'ai l'impression que les ennemis sont juste plus lents, mais que les dégâts sont quand même bien présents. Ouais. C'est pas fou. Pas mal, mais on peut partir sur crit avec ça, partir sur auto-attaque. On relance, on va voir. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le truc c'est que là ça nous lock sur l'item qu'on a, alors que ça pas forcément. Aussi, stack les statues ensemble. Je prends des dégâts pour rien, c'est pas grave. Mais 9 HP là-bas, non? Je pense que je vais bien aller me faire foutre hein, dans cette run aussi. On va relancer, c'est pas grave. Si vraiment je vois que je me fais éclater, on va relancer. Il y a une pomme, j'ai pas pris ça. Et j'ai pas vu les arbres me lancer des pommes aussi. C'est marrant. J'ai pas le truc qui me donne les... Pour mini boss. Sbire de poison fait quand même de gros dégâts, putain. Ouais. Partir là-dessus, mais il faut plus de crit. Est-ce que c'est 225? Ouais.
part sur crit, hein, les égouts. Je suis touché comme un connard, mais c'est bien passé. J'aurais dû prendre l'explosion, c'est peut-être mieux. Ouais. Pas un bon début, vraiment, je tiens à le signaler. On a pas le truc qui nous donne un HP à chaque fois déjà. À la fin de chaque run, on s'est pas touché, chaque salle, on s'est pas touché. Ça, en vrai, ça nous a permis de monter quand même pas mal nos PV. En vrai, j'ai envie de reset la run, je vous le dis. On va aller jusqu'au boss, on va voir ce que ça donne. Oh, ça c'est pas mal par contre. La run poison là? Soit on prend ça. Pour l'instant, on n'a pas d'autres trucs en poison, ça fait chier. Il faut plus de trucs qui fassent du poison, en fait, ça le problème. J'ai l'impression de faire beaucoup plus de dégâts quand même. Enfin, qu'ils ont moins de vie, tu vois. J'ai l'impression qu'ils font moins de dégâts. Un poil, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus. Est-ce que je me suis fait toucher? Je me suis fait toucher. Vache. Putain, le perfect boss là, il m'aurait fait plaisir. Ouais. J'ai vraiment l'impression que mon son est toujours faible, ça peut être libre.
Ouais, je lui fais quand même beaucoup moins toucher. Hein. Je pense que même si on n'a pas une run folle, on devrait y arriver. Parce que là, vraiment, je chancelle par 4 fois. Mais enfin, j'ai pas mis la cam, mais. Parce qu'on record pour YouTube, mais honnêtement. Je joue une main dans le chute, hein, j'exagère à peine. Hein. Fait pas toucher, c'est indécent. Oh non, j'ai oublié un truc. Ça parfait. Je suis défocus. Et là, du coup, il va être tout seul. En fait, en normal, et du coup, j'ai joué en. C'est trop bizarre. Il y a un gap de difficulté quand même. Hein. C'est ça qu'on veut. Hein. Pas le choix. Déplacer ces trucs à lui. Sélection d'items, ça m'intéresse pas. Attends, quoi que sélection de spell aurait été plus intéressant, je pense. J'avais un autre truc qui empoisonnait, c'était que c'était déjà clutch, je suis un peu con. Ok, j'ai du crit, mais j'ai pas de dégâts par contre. La run est un peu plus lente, hein. J'avoue que voilà. Un poil plus lente la run, mais bon. Yeah.
c'est qui va me foncer dessus en plus après. MDR. Tout à l'heure il mettait 15, tu vois là il met 12, donc c'est pas non plus. Là j'ai augmenté mon crit de ouf. J'ai eu 3 trucs de crit je crois. J'en ai au moins 2. J'ai fait 5 minutes 44. J'ai fait mon meilleur temps. MDR. Donc là on est à 30% de crit. Alors tout à l'heure on était à 30 mais bien après quoi. Ok ok. En vrai, why not, hein, moi ça me va. J'en étais à la fin de ce monde, on était à 30%. On a un monde d'avant, mais au crit. On a pas de dégâts. Pardon. Un bout de chocolat, je t'ai obligé de manger. Let's go. J'ai tout relent, vraiment, j'ai pas respecté. Faut qu'on récupère le bloc, en vrai. Quel enfer! J'ai perdu tellement d'HP là-dessus. J'ai envie de prendre ça pour me repositionner en vrai.
compétences. Le but de poison, là je m'en bats les couilles un peu. Ciao. Big boss, on va voir. Hein. Pattern qu'il a pas. Ah oh, c'est abusé. Hein. Je suis pas si bien dans la run, hein, mais juste ouais. Okay. Une vraie diff. Hein. J'ai failli pas le voir. Cent trente, 14, 60, 31, 35. Quel enfer. Dis-moi qu'il y a putain. Va te faire foutre, je vais bien t'aider. Vas-y. Je suis obligé d'aller là-bas. Hein. Sinon, clairement, je vais pas aller.
commence à sentir les limites là. En vrai, normalement, on devrait pas perdre d'eau de vie du coup si on fait pas de la merde. Let's go, hein. Putain, on a vraiment pas une bonne run, hein, mais on va quand même loin. Et ça, c'est cool. Bien joué, là les vraiment les... Putain de fils de pute. Va te faire foutre. Putain. Oh, il était chaud. En fait, j'ai vraiment pas une assez bonne run pour finir, je pense. En vrai, il y a moyen qu'on passe le troisième boss, mais ça va être de la chatte. En fait, ça, là, ça dépend vraiment de ce qu'on a après. Je l'aurais pas, là. Ouais. On va voir. Mais au moins ça me permet de voir aussi au niveau des de ce qu'ils proposent en face. Alors, en mode facile pour voir si c'est faisable ou pas, mais je pense que c'est plus faisable large. C'est injouable. Ma run est trop nulle à chier. J'abandonne. Dommage. J'ai pas de dégâts. J'ai pas de dégâts, j'ai rien du tout. Faut essayer d'aller voir le pattern du boss, mais... Le problème c'est ça, ces mobs de merde là, je comprends pas.
mais je suis parti full poison, mais jamais j'aurai les dégâts qu'il faut. Comme là, par exemple, là, il va mourir bientôt. Je me suis dit, y a pas de soucis. Puis j'ai juste blessé. C'est pas les mêmes. J'ai pas vu, il m'attaquait devant. Ouais. Moi. Dans l'idée, j'avais un bon build poison, mais j'ai pas eu les compétences qu'il fallait. J'ai pas eu le poison en fait qu'il fallait pour la game. Du coup, dommage. C'est pas grave. Faut que je puisse relancer. Là-dessus, on est obligé. Pire, après, je peux respect. Faut aller chercher, hein. J'ai pas tant d'échecs que ça, hein, là. Oh, ok, bon là j'ai un problème, c'est pas non plus énorme. Là j'ai quand même 300, 150 sons, 500 qui se baladent. Sélection de reliques offre une option additionnelle. Allez, tout, il va falloir de l'ombre. Faut que je parte explorer l'ombre. Oh, les minuit, les mecs, hein. Je pensais m'arrêter là. Après, j'avoue que Cuphead m'intéresse aussi. Hein. T'es chaud de jouer un peu à Cuphead avant de dormir. Ah bon? Je suis un peu deck, j'avoue. Par contre, elle a l'air super. C'est bon, c'est fini. Non, mais frère, là c'est bugué, c'est juste bugué. Est-ce qu'on veut? Voilà, c'est ce qui me semblait. Ah non, c'est juste que ça dure une plombée et demie la brûlure. Je crois qu'on joue avec la brûlure. On joue juste ça avec la brûlure, en vrai, c'est bon. Hein. Non, je suis pas du tout en train de relancer une game alors qu'il est minuit et que je voulais aller dormir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est dans votre tête là, je pense que vous imaginez des trucs. Chut. Ça, c'est vrai.
Ça, ça dégoûte, hein, vraiment. La run d'avant, là, que j'ai eu avec l'arc où je vous ai pas stream, je l'aurais eu... J'ai l'impression d'avoir le pied dans la tête. Le problème c'est que l'armure, j'ai jamais compris comment est-ce qu'elle marche. Hein. Parce qu'en fait, le problème c'est ça, c'est qu'ils nous expliquent pas les trucs. J'ai juste envie d'aller prendre des... Justement, je pense qu'on va pas aller très loin. Petit avant de finir la run. C'est toujours comme ça, quand tu dis que tu vas rien faire, tu dis des choses, tu dis que tu vas faire des trucs, tu fais rien. Pas un boss parfait, mais... L'armure c'est de la... c'est de la vie sup, tu régènes à chaque fois que tu fais un ennemi. C'est assez bizarre. Thank you.
Ouais. On va jouer une compétence parfaite. Hein. Let's go. Ouais. Ciao, ciao, hein, mon ami. Pa-da-pa-pa-da-pa-pa. Ok, PV. MDR, meilleur temps. En fait, on a envie de faire des crits parce qu'on va brûler, mais nos auto-attaques elles brûlent. Je suis peut-être parti avec le bon truc aussi. Putain, mais c'est trop chiant, sûr, il y a des builds trop pétés et faut que je tâtonne encore. Oh non, cac, faut qu'on ait de la vitesse, sinon ça marchera pas. Ça c'est très bien. T'as le build de flamme. Prendre la sagesse. Des compétences plus 20%, ce qui est pas dégueu. La salle à offrande va peut-être pas nous aider puisqu'on a beaucoup de trucs qui burn, on n'a pas envie de les virer. Est-ce qu'on a vraiment un truc à donner là? Non. Non, là on a un bon goût. C'est bon. Stat ou skill? Stat en vrai, parce que skill on va garder.
vous assure qu'au début je voulais vraiment lancer une run pour test, mais là je la sens. Et je prends quand même l'ambre, hein, parce que vraiment je ne respecte pas le jeu. Hein. Et puis, je peux dire que l'épée avec l'armure c'est fort, mais ça a l'air d'être pas mal. De la vie, même MP, on s'en bat les couilles. Ok. Ça m'intéresse. Sagesse m'intéresse plus, je pense. Pas fou. C'est vraiment de la merde ce que je fais, hein. Je peux arrêter de prendre les dégâts ou comment ça se passe? Je prends tout là. Oh, je suis full focus là, je suis désolé. C'était la run non voulue. Allez, calme. Allez, calme. Voilà. Le problème c'est que je sens que ça va encore s'arrêter au troisième niveau, ça va peut-être un peu me gaver. Après j'ai pris tout l'ambre, donc en vrai j'aurai aucun regret. Thank you.
l'impression que je prends moins de dégâts quand je prends le guerrier par rapport à l'archer. Ah, et ça dégage. Mais tout à l'heure je prenais 12 et là je prends 11. Alors peut-être que de base les dégâts sont différents en fonction de ce que tu prends. T'es meilleure résistance. J'ai pas vu les stats de résistance. T'as les stats de PV. J'ai traîné de ouf et ça passe quand même. Whitesbury. Ça c'est pas mal par contre. Ça c'est bien aussi. Je pense qu'on va faire ça parce qu'on les gèle sur les compétences. On va faire ça. Si on arrive à avoir le collier après, on sera bien. Stats, compétences. Aïe 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 aïe. Stats, hein. Transforme, c'est vraiment l'enfer. Oh, vous faites chier. Quel enfer. C'est sale, c'est vraiment de la merde. Je me déteste. Toi je t'aime bien. Dommage. C'est quand j'ai pas pris l'ours. Ouais. Ça donne pas envie.
ça, je pense. C'est pas le choix, hein. On a pas de thune, on se casse. Ah, il y avait ici, il y avait de la thune quelque part. Heureusement que ça traverse les murs, mon truc. Mid-boss, let's go. Survécu un HP, hein, je tiens à le signaler. 9. Eh bah putain. Avant je suis allé chercher le hit quand même. Bon, ce sera pas celle-ci non plus. Parce que les ennemis font trop de dégâts. J'ai pas assez de vie. Perdu d'ici, ça devient. Un peu désolé, je vous avoue. Je pense que c'est de chat là-dessus. Hein. Pour essayer d'augmenter nos dégâts, histoire de faire plus mal, parce que là, clairement, on... compliqué. À deux doigts de tout donner, hein, clairement, je vous le dis. De toute façon, on la finira pas. Est-ce que je peux tout donner? Je peux pas tout donner. Allez, frérot. Alors, on va voir. J'ai la baliste, ok, ça, ça me va en soi. Je l'ai mis, j'ai joué avec un pit de gaz, c'est invoqué. C'est pas si dégueu, et la baliste est peut-être mieux que la ricochet.
Bah, de toute façon, eh. Décidez que vous étiez des sacs à merde, les loups-garous. Personne ne vous aime. Vous n'avez jamais aimé. Putain. Au moins, j'ai récupéré de l'homme. Pas grand chose, mais en vrai, si je peux re-récupérer de l'ombre derrière, pourquoi pas. Mais comme ça, ça me permet de train le pattern en vrai, c'est déjà ça. Parce que le problème, c'est avec lui là, le pattern il est chiant. De ouf. C'est quelque chose qu'on parle. Je suis en mode facile, hein. Je vais me battre. Merci. Juste le battre pour l'honneur. Après, je vais vérifier, mais je suis toujours en mode facile, ça paraît normal. Peut-être vu que j'ai livre, hein. Je sais pas. Enfin, ça m'étonnerait que ça change en vrai. J'ai quand même eu lui, hein. Putain de merde. On la voit mourir vite en deal. En deal, de toute façon, c'est vraiment notre pire cauchemar à chaque fois. En fait, si j'arrive trop affaibli en deal, c'est terminé. Et du coup, dans l'arc, vraiment, c'est mon mode de gagner le plus simple. C'est toute la run que j'ai fait. Oh, ça c'est bien par contre.
Après, la congélation peut être bien aussi. Mais ça, c'est pas mal. Si je fonce dans les flammes, ça va être compliqué par contre. Frérot, le jour où je vais te tuer, je vais rigoler mais mille fois comment toi tu rigoles, petit fils de. Oh YouTube, cette fois je vais faire des bisous, je vais vraiment arrêter. On a grillé de 40 minutes. C'est pas dramatique, mais c'est juste ça fait chier. Je pourrais avancer les compétences, ça c'est déjà bien, putain. Bon déjà normalement là pour les prochaines runs qu'on fait on va le passer. Hein. Je sais pas laquelle, mais dans les prochaines. J'ai tout. J'ai toutes les reliques débloquées. Ouais. Oh là on a mis au max, donc clairement. Hein. On va le passer, y'a pas de soucis. Hein. Temps 8 minutes. J'ai fini que deux fois, j'ai dit, putain. Même ça, je l'ai passé que 9 fois. Ah oui, d'accord. Ah oui, en fait, j'ai pas de temps à jouer que ça. Bon, après, c'est juste que les runs sont quand même vachement longs. Mais... Découvrir ce monde pour plus de détails. Ah non, mais j'ai plus de victoire hein, pendant l'historique. Dommage. Il a fini sur 113%. Un croutance préféré. Skriza vous a battu 16 fois, MDR. Terminez votre première partie. Chance du débutant. Je vois le bâtard. Et oui, toutes les améliorations de l'arbre embrasé. Ok. Pas toutes les saisies du compendium. Ah, ça c'est le. Ok, c'est les flammes. Ok, l'obstateur. Stamateur va tous les boss, mais le boss, les variantes. Arc-en-ciel, découvrir tous les jeux de couleurs de joueurs. Ok. Bah, non, je sais pas ce que c'est le compendium là. Débrouiller toutes les reliques. Mais ça c'est bon, je l'ai. Bah alors. C'est pas à jour. J'ai l'impression que leur jeu est un peu buggé, honnêtement, sur certains trucs. C'est pas grave. Là, j'ai ramené toutes les orbes de reliques, je les ai ramenées. Ah, peut-être que dans les mondes où je suis, je peux pas avoir plus de. Mais dans le dernier monde, j'en aurais. Il y a moyen. En vrai, ça, c'est quoi ? Faut qu'on améliore ça. On va améliorer ça, et puis on va voir. Ça fait quoi les montagnes déçues ? Ok. Ah, ça c'est trop marrant. On va jouer avec ça. Invisible chaque fois que vous éliminez un ennemi tranché. Putain, des munitions, what the fuck. Oh là, tu peux jouer en vocation avec ça. Bah dommage. Mais la faux peut être marrante je pense. Ou pas. Ah, pas plus, quand même. Oh les stats.
16 de dégâts, vitesse 100%. Okay. Ok. Bon bah YouTube, je vais vous faire des bisous. Je vous dis la bonne nuit, Twitch, pareil. A très vite pour nous les aventures. Abonnez-vous, comme d'hab. Et on se rejoint un jour peut-être. Voilà, voilà. Allez, la bise. Ciao, ciao. Oui, le jeu est bugué, hein, regarde ça. Depuis tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, mais... Bizarre. Bizarre, hein, d'avoir ce truc. Et je vais essayer de trouver des guides aussi, parce qu'en vrai, c'est chiant. À toutes.